Avec l'album Les Barbares en 1976, la carrière de Bernard Lavillier, alors âgé de 30 ans, décolle. Ce 7 octobre 2022, jour de son 76e anniversaire, il peut se targuer d'une magnifique carrière, lui qui se cherchait adolescent entre les métiers de gangster, boxeur ou poète. L'un des temps forts de son parcours est certainement les années 1980, période de gloire. C'est aussi à cette époque que l'auteur-interprète-compositeur croise la route d'une femme d'exception également, Lisa Lyon, bodybuildeuse. Dans l'album Nuit d'amour sorti en 1981, Bernard Lavillier raconte sa nouvelle vie à Los Angeles et notamment sa rencontre avec Lisa Lyon, qui deviendra sa femme. Si l'on pouvait trouver musclé l'artiste français, ce n'est rien à côté de celle avec qui il s'est marié. Experte en haltérophilie, elle a participé au championnat du monde pro féminin de bodybuilding de Los Angeles de la Fédération internationale de bodybuilding en juin 1979 puis fait la promotion du bodybuilding pour les femmes à la télévision et dans les magazines. Elle posera notamment pour une revue, mais pas vraiment spécialisée dans le sport, Playboy. Il faut dire qu'elle sait mettre en valeur de façon sensuelle sa silhouette sculpturale, comme le montre la vidéo ci-dessous.